Je suis un enfant comme le vôtre. Peut-être pas le vôtre, mais celui de quelqu'un d'autre. Je vous prie, ne me fermez pas la porte. J'arrivais, je connaissais ni l'accent ni le pays. Je voulais un nouvel environ. Bonjour à tous et à tous. D'abord, merci à la députée de nous être ici à la fin du temps. Je m'appelle Yamina, effectivement, je suis professionnellement cadre en charge des questions de mobilisation sur ce mouvement La Plus Grande Marche. Je suis une petite cellule pilotée par Stéphane Séjourné qui s'appelle Stratégie Société Civile. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelque chose qui se passera dans quelques mois. Mais surtout, par-dessus tout, et c'est ça que je veux vous retenir, c'est que je suis personnellement, et puis en tant qu'élu local, très attaché à ces questions d'accompagnement des mineurs non accompagnés, justement. À titre perso, j'ai été aussi, mais à un très court moment, aux années 90, quand j'ai quitté le Maroc pour venir en France. Mais j'ai eu la chance, dans une petite commune de Lyon, d'avoir un maire très républicain, très sympathique, très chaleureux, qui m'a accueilli dans une ville de 187 habitants, à quelques kilomètres de Sens, dans Lyon. Donc j'ai connu, moi, titre personnel, ces parcours-là, mais beaucoup, beaucoup moins chaotique, beaucoup, beaucoup moins dramatique que toutes celles et tous ceux que je connais, moi, dans mon parcours de vie, et que j'ai eu, moi, après tout, la chance, évidemment, de re-rencontrer grâce à Nina et son collectif École pour tous. Moi, je suis fier d'appartenir au collectif École pour tous. J'essaie, moi, à mon niveau, d'aider Nina et Pierre et toute l'équipe pour avancer sur ces sujets-là. Premièrement, j'ai déjà dit aux jeunes, parce qu'on a l'occasion de les former, de les accompagner, il y a quelques semaines encore, quelques mois. Bravo et franchement, tous mes respects. On ne le dit jamais assez, parce qu'au moment où on dit ça, malheureusement, il y a tout un discours de haine qui vient aplatir ce sujet. Et du coup, moi, j'ai envie de vous dire bravo, tous mes respects, chapeau bas, parce que on ne se rend pas compte, c'est peut-être facile avec les mots de verbaliser tout cela, mais on ne se rend pas compte les drames, le chaos, la misère, la précarité, l'exclusion. Pas plus tard qu'il y a deux, trois jours, il y a un jeune Algérien, mineur de compagnie, qui s'est pris des coups de couteau à Aubervilliers. Donc, je vous mets au défi, hein, mais tous les deux, trois jours, il y a un drame comme ça, de ce type, hein, concernant les mineurs non accompagnés. Plus tous ceux qui sont à l'hôtel, plus, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes entre au mieux experts, mais en tout cas sensibilisés sur le sujet. Voilà. Deuxièmement, mon message est un peu plus politique. On a de la chance, on a l'Assemblée nationale. Il y a des députés, j'en connais Mme Charrière, Mme Stella Dupont, Mme Pétel, qui sont notre majorité. Je sais que vous êtes première loge sur ces sujets-là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, et c'est un peu plus personnel, c'est pour ça qu'on n'a pas entre nous, donc là, je me permets. On ne va pas faire politiquement correct, mais sur cette question-là, et j'interpelle à mon humble niveau au sein du mouvement aussi, il faut vraiment clarifier, là je rentre un peu plus technique, mais ce sujet c'est pour ça aujourd'hui. Le premier truc moi, qui m'énerve beaucoup et qui est dramatique, c'est la relation entre l'État et le département. C'est un sujet que tous, à chaque fois, de la télévision jusqu'aux arcades des départements, la situation n'est jamais résolue. Moi je suis essonien, j'ai la chance d'assister parfois au conseil départemental. À chaque fois qu'il y a une délibération sur les mineurs non étrangers et non accompagnés, la délibération dure 3/4 d'heure, 1h10, 1h30. Parce qu'à chaque fois on rejette la faute sur l'État, l'État après rejette la faute sur les départements. Donc il est grand temps, je vais dire très calme et très objectif, de vraiment clarifier le rôle entre l'État et le département. Je sais qu'il y a une aide forfaitaire du côté de l'État, que les départements veulent qu'elle soit augmentée, puis vice versa, le département surévalue les montants pour ensuite avoir plus d'argent de l'État. Bref, chacun se renvoie la balle, mais il y a l'enfant qui est au milieu, qui lui souffre, qui est dans un hôtel plus qu'un salaire au fin fond de quelque porte de Paris, ou ailleurs, en zone rurale, et du coup, il souffre tout seul alors qu'il a 15, 16, 17 ans. Au milieu des cafards, d'humidité, de la moisissure sur les murs. Je ne sais pas de l'imagination, c'est la réalité. Donc, premièrement, clarifier ce fameux rôle entre État et département. Deuxièmement, et ça c'est le rôle des législateurs, on a la chance d'être députés aujourd'hui, effectivement, c'est de sanctuariser, pérenniser ces montants-là. Parce que, en fait, quand tous les montants discutés, débattus en commission, en séance, à chaque fois, sont de fait conjoncturels, suite au pic de migration. Sauf que vous n'êtes pas sans savoir que le monde est en mouvement, qu'il y a une crise afghane qui vient d'arriver là, à titre conjoncturel. Mais il est grand temps de tenter une sanctuarisation de ces crises-là et qu'ils ne soient pas soumis aux aléas à chaque fois des crises géopolitiques. Il faut trouver le bon niveau de montant de financement qui pérennise un peu pour ensuite accompagner fidèlement, profondément, entièrement ces jeunes et que ça ne soit pas un moyen à cause de la crise internationale de « tiens, il se passe rien dans le monde, donc on peut baisser les crédits. Ah, il y a une crise, on va monter les crédits. » Il ne faut plus que ce genre d'analyse existe. Troisième élément, c'est les hôtels.
On parle beaucoup, bien sûr, de la vie du jeune, mais le jeune, le moins jeune vit dans des hôtels. Je sais que la mise à l'abri souvent se fait à l'hôtel, mais il est grand temps aussi que l'État et toutes les institutions puissent surveiller, regarder de plus près ces hôtels-là. Et on ne fait jamais attention. Il y a une liste comme ça, pour moi, sauvage, inscrite au niveau du préfet des hôtels où les jeunes sont délestés. Et quand on voit l'état de ces hôtels-là, moi, je trouve que c'est indécent, c'est inhumain. C'est quasiment une question humanitaire. Il faut vraiment revoir ces hôtels-là. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a une crise du coronavirus en ce moment. Moi, je suis d'origine marocaine. Vous savez que tous les pays étrangers labellisent ces hôtels pour accueillir des voyageurs en transit. Pourquoi on n'est pas capable de le faire pour des jeunes mineurs isolés? Et enfin, il y a un sujet aussi qui me tient à cœur, c'est la présomption de minorité. Ça aussi, c'est un bon sujet pour que certains élus, des parcs cantons notamment, en profitent pour mettre des jeunes de côté. Et là aussi, pareil, la présomption de minorité doit devenir essentielle, doit devenir unanime dans ce sujet, dans ces sujets-là. Et malheureusement, ça fait encore débat. Et pour terminer, comme ça je ne serai pas plus long, la France a fait une promesse. C'est ce que je me tue à dire, mon petit niveau. À l'endroit des minorités, à l'endroit des diversités, à l'endroit même de la France, c'est un pays d'immigration depuis des millénaires. La France a plus de 2000 ans d'histoire. La France s'est faite aussi par l'extérieur. Tous les pays du monde, hein, les États-Unis aussi, etc., s'est faite aussi par l'extérieur, n'est-ce pas? Et depuis que le monde est monde, les gens bougent. C'est ce que ne comprennent pas certains éléments de l'échiquier politique à l'extrême droite, c'est que l'être humain a tendance à bouger et bougera toujours, et il faut que la France soit à la hauteur de sa promesse républicaine d'accueillir les gens. Alors c'est facile à dire aussi là verbalement, mais quand on est une nation qui se dit puissance mondiale, qui se dit pays des droits de l'homme, il faut arrêter de verbaliser la chose, il faut arrêter de le scander à toutes les évolutions, il faut vraiment passer à la vitesse supérieure et de la faire. La promesse républicaine, c'est d'accueillir tout le monde, bien sûr, selon toute proportion gardée, tout le monde qui au moins exprime une volonté de fournir de son énergie, sa compétence et de son génie. Je pense que les mineurs que moi j'ai eu la chance de rencontrer à l'école pour tous, ce sont des gens qui ont des compétences, qui ont une force, qui ont une énergie vitale et qui moi, me semblent nécessaires pour ce pays, pour tout responsable politique de premier plan. Et quand on voit le défi démographique qui est le nôtre, quand on voit de la simple pénurie de certains métiers et aussi la nécessaire consolidation du pacte républicain, il est plus qu'urgent en fait, pour accueillir ces jeunes-là qui devront qu'à dire bah, « j'aime la France, c'est la France qui m'a accueilli ». Et s'il vous plaît, où est le contrat républicain? Voilà, donc, mesdames et messieurs, pour qu'on soit l'auteur de ce contrat-là, un contrat, c'est plusieurs parties qui se mettent d'accord. Je pense que les jeunes ont rompu leur part du contrat. Aux législateurs de faire le signe, je sais que les débats sont en cours, j'ai confiance pour avoir tirer une solution, j'espère positive. Mais, et puis, c'est une question qui va apparaître, malheureusement, à la présidentielle. Je dis malheureusement parce que ça, c'est tous ensemble. Hein. Il ne faut pas que le bateau tombe de l'autre côté, c'est-à-dire des discours haineux, caricaturaux, stigmatisants, mais des discours vraiment positifs. C'est à nous de faire entendre ça. C'est pour ça qu'on a construit un bon plaidoyer. Moi, je vais faire mon même niveau dans En Marche. Les parlementaires vont venir aussi à participer à la bataille. Il faut que dans tous les chiffres politiques, c'est pour ça que je remercie Mme Faucillon pour cette initiative aujourd'hui, mais je pense que c'est un sujet transpartisan. On n'a pas le temps et honte à nous si on se fait des batailles de chapelle, parce qu'en pleine nuit, encore une fois, il y a ce jeune-là qui demande qu'à assurer sa destinée. Voilà. Merci beaucoup. D'y arriver, école pour même si l'on vient d'arriver, école pour enfin finir de dériver, école pour tous, école pour tous, école pour tous, le droit d'y arriver, école pour même si l'on vient d'arriver.